Wes Madico, plus connu sous le nom de Wes, est mort vendredi 25 juin 2021 à Paris. La triste nouvelle a été annoncée par le groupe français Deep Forest sur Facebook. Je suis très triste de vous annoncer le décès de Wes Madico. Nous avons collaboré sur quelques chansons, nous avons fait une tournée mondiale, je garde un souvenir de lui en train de rire et de sauter sur scène. Reste en paix Wes. Selon différentes sources, le chanteur camerounais serait décédé dans l'après-midi, dans une clinique où il subissait une intervention chirurgicale, suite à une infection nosocomiale. Wes Madico a commencé sa carrière musicale accompagné du groupe Quoique Vassy de son village Moutaba. Il a été ensuite repéré par un groupe de touristes qui a décidé de l'amener en Europe. Un an après son arrivée, il crée le groupe Facole et se produit dans de nombreux pays. Dans les années 90, c'est aux USA qu'il connaît le succès avec l'album Oelega, produit par Michel Sanchez, fondateur de Deep Forest, rencontré dans le Nord où le chanteur vivait avec sa famille. Le tube Alan le propulse en haut des charts en 1997, deux ans après le carton hexagonal et planétaire de la Macarena, c'est Wes qui propulse son titre Alan comme tube de l'été. Et la célèbre chorégraphe Mia Fry est de nouveau de la partie dans un clip poussé par TF1 à l'époque. Il s'en vend alors près d'1,5 million d'exemplaires en France, et 10 millions dans le monde. Ce tube connaîtra d'ailleurs une seconde jeunesse en 2020 grâce au DJ remixeur allemand Robin Schulz. C'est Robin Schulz qui m'a contacté via Sony Music, explique Wes au site actu.fr. Il adore cette chanson depuis qu'il a 10 ans. On s'est rencontrés à Paris et on a passé un bon moment à rire ensemble et à parler musique. Nous sommes allés par la suite dans son studio en Allemagne. J'ai réenregistré l'ensemble d'Alan et il a travaillé de son côté pour l'interprétation tout en respectant le morceau et cette langue, le bantoukana. Je suis toujours très ému de voir qu'elle peut donner autant de joie et de bonheur à toute l'humanité, racontait-il alors. www.instagram.com/p/cqkxj85nm 15 points d'interrogation uetm-source-galig-en-bêta voir aussi, le chanteur Michel Sardou balance en direct dans Quotidien à lire aussi Adblock Test. Why?